Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce vendredi 9 octobre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on termine la semaine avec la carte santé. Je guéris mon corps et mon esprit. Notre santé physique dépend de notre santé mentale. Vous sentez-vous seul dans ce monde? Eh bien non, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de l'univers, tout comme tout ce qui existe, n'est-ce pas? L'univers est illimité. On peut aussi l'appeler force, source, vie, amour, énergie universelle, substance, intelligence, créateur, Dieu, Bouddha, etc. L'univers est énergie. Il agit comme un miroir et vous renvoie votre propre image. Vous créez votre réalité avec vos pensées, émotions et croyances. Ce qui se ressemble, s'assemble, etc. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, vous demandez et l'univers répond instantanément. Et pour recevoir, il faut être connecté à cette belle force. Alors, la méditation quotidienne peut vous aider à vous aligner sur la source en élevant vos vibrations, en faisant le vide en vous. Elle vous permet de vous reconnecter, eh bien, à votre moi supérieur, votre moi divin, et de recevoir, eh bien, l'inspiration, l'intuition, les idées qui vous permettront de faire l'action juste, l'action inspirée, et de réaliser vos désirs. Vous savez, vous êtes un être divin qui a le pouvoir de manifester et de créer ce qu'il désire dans sa vie. Sentez, sentez ce lien entre vous et l'univers, entre vous et les autres, qui sont aussi des êtres divins. Entre vous et la nature. Alors, aujourd'hui, laissez les distractions de côté et prenez conscience de votre pouvoir en vous reconnectant et bien tout simplement à la source. Je le redis, votre santé physique dépend de votre santé mentale. Les affirmations positives de ce message. Je suis un canal ouvert qui reçoit l'énergie illimitée de l'univers. Et de plus, l'univers prend soin de moi. L'univers est abondant, illimité et parfait. Je suis un avec l'univers. Je suis tout le temps relié à l'amour divin.
Je suis relié à tout ce qui existe, à toute chose. J'accepte mon unité avec le tout. Je laisse cette belle force vitale agir en moi pour mon plus grand bien. Et je suis en harmonie avec l'univers, je suis confiant et reconnaissant. La lumière coule en moi, et bien je suis connecté, je suis aligné sur la source. La lumière coule en moi. Ouvrez vos chakras, alignez vos chakras. Et la lumière entrera dans vos chakras. On termine cette semaine avec ce beau message. On attire à soi ce qu'on est. Voyez, toute la semaine, ça nous fait réfléchir, hein, tous ces messages de tous les jours. Ça nous fait penser et ça peut nous aider dans notre vie. Cette vie peut être compliquée, que certains d'entre vous passent à différents niveaux, encore une fois, je le répète. C'est vrai que la situation mondiale n'est pas top, mais restons dans cet amour. Ça, c'est le plus important. Vous savez, la spiritualité, c'est pas une religion pour moi. Je l'ai déjà dit et je le répète, la spiritualité pour moi, c'est un travail que je fais en moi pour être meilleur, pour comprendre les choses et pour transcender ce qui ne va pas. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Ce n'est pas une religion. Je vous souhaite une excellente journée et un magnifique week-end à toutes et tous. Prenez soin de vous. C'est tellement important. Prenez soin de vous dans la douceur et prenez soin aussi de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et on se retrouve, lundi pour une nouvelle semaine. Je vous embrasse et à tout bientôt.